Ça fait 2 minutes. On va essayer de dépasser ça.
Donnez vos prix au Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour l'histoire.
Donc la première paix que tu as appelé à chercher, c'est faire la paix avec Dieu.
C'est ça qui est plus important. Tu vas constater quelque chose, je ne suis pas venu te dire. Je ne suis pas venu t'appeler pour te dire suis-moi. Je suis venu te présenter Jésus. Ton créateur, celui qui t'a fait, celui qui t'a formé, celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne les poignets. Voilà tout ce que tu as là. Ce n'est pas par ta force, par ta sagesse, par ton intelligence, mais celui qui a eu à toucher quelqu'un pour te donner le bien que tu as aujourd'hui. Et c'est ce Jésus qui vient donc te dire ce soir qu'un jour viendra où tu devras lui rendre compte de ta vie. Tout ce que tu fais dans le monde, un jour tu as pu l'amener. La pensée de l'être humain aujourd'hui, c'est nous que de chercher le bien matériel, l'argent. Jusqu'au jour où tu vas réussir, tu vas perdre tes parents, tu vas mourir. Si tu as l'argent même que tu as pensé qu'on vient chercher, c'est quelqu'un d'autre qui reste en compte. Tu vas rester dans la vie de ça. Heureusement. Mais en ce moment-là, tu vas te rendre compte là-bas que tu as couru dans le vin, tu as couru en vin. Tu vas te rendre compte que dans ce qui était plus important, c'est que Jésus. Il est trop tard. Parce que tu ne peux plus rentrer en arrière. C'est le moment de faire la chose. Le Seigneur dit dans sa parole, ni les mentales ne seront au ciel. Jésus, le Satan, qui veux-tu servir? Qui veux-tu suivre? Est-ce que tu sais que je sais que j'ai eu à faire ces choses par une autre? Est-ce que tu sais que la Bible est contre ici? Que Dieu est contre ici? Que l'on ne doit pas se faire. Que le Seigneur t'a pas d'accord avec tout que le Dieu aujourd'hui. Avec tout ce que tu as dit, tu as fait toutes ces choses. Que tu as marché. Il n'aime pas le péché. Mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne tient pas compte de ta propre foi. Tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu ne sais pas les lois de Dieu. Tu ne savais pas que fornicat amène en enfer. Mentir amène en enfer. Tu ne savais pas que ce passé amène en enfer. Mais c'est Jésus-là qui est mort à la croix pour toi, pour te sauver. Lui, homme juste, qui n'avait point commis de péché. Il est devenu injuste. On l'a cloué à la croix. L'Esprit de Dieu qui te tourne dans la pensée de Dieu.
ne suis pas le monde. Papa, le Dieu dit, qui a imité le monde de Dieu, qui a imité. Le monde ne peut te donner, le monde ne peut te donner ni le salut. Le nom ne peut te donner, oui, le salut éternel ne peut te donner garantie du salut éternel. Ce monde un jour sera détruit au temps convenable de Dieu. Mais si tu t'accroches aux choses de ce monde, au point que tu oublies même, tu vas quitter la terre, il faut t'accrocher à Jésus. Jésus te demande de tourner, pense à tes paroles bien-aimées. Je ne le jette pas. Pense à ce message. Je n'avais pas le temps de le jette pas. Donne ta vie à Jésus-Christ. Dans ce monde, tu es comme un ballon de l'eau. Tu n'es pas la fille de Dieu. Tu n'es pas la fille de l'ancien bouillon. Tu n'es pas la fille de la perdition. C'est pourquoi il est nécessaire que tu donnes ta vie à Jésus. Oui, bien le mais toi, tu dis que peut-être qu'il y a des gens dans une église qui a donné dans vie ensemble, qui a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as d'abord, est-ce que tu as vérifié le statut spirituel de ton ensemble? Est-ce que tu es en conformité avec les saintes écritures? Est-ce que la doctrine qui est prêchée est la doctrine, la sainte doctrine de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est fondée sur la fondation, sur le fondement de Christ? Est-ce que tu pratiques la sainteté? Est-ce que dans cette assemblée, on te dit que le péché meurt en fait? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que tu l'apprends bien aimé? Est-ce que tu as reçu ce message? Est-ce que cet évangile de la sainteté, l'évangile de la sainteté, l'évangile de la purité, l'évangile du conduit au salut, est-ce que tu as reçu, est-ce que cet enseignement est donné dans ton assemblée? Est-ce que la parole est vivante dans ton assemblée? C'est la question que tu vas te poser. Est-ce que tu te réfères à la parole de Dieu ou tu te réfères à ton pasteur? Parce qu'aujourd'hui, l'église et les croyants d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui a donné sa Bible au pasteur pour qu'il le lise à sa place. Il ne cherche plus Dieu lui-même. Oui, bien-aimé, il a tout donné. Il a abandonné le principe de la foi qui consiste à comprendre que Christ, celui qui est monté sur la croix, Christ, c'est lui qui a accompli l'œuvre de la croix, et c'est Christ seul qui sauve. Mais aujourd'hui, les hommes, le chrétien aujourd'hui, il fait, c'est l'idolâtrie du pasteur, c'est l'idolâtrie de son leader. Non, ce n'est pas les hommes qui sauvent, ce n'est pas les hommes qui sont montés sur la croix. C'est Jésus qui est allé accomplir l'œuvre, et seul, lui seul sauve, bien sûr. Mais nous tous, autant que nous sommes, bien que nous avons le privilège d'avoir le privilège de Dieu, d'avoir une distinction dans l'assemblée, cela ne nous donne pas le droit absolu de faire que nous avons remarqué le ciel, non, bien sûr. C'est pourquoi nous devons veiller à notre foi, nous devons veiller à notre marche chrétienne. Ça, c'est un élément très important. Aujourd'hui, le chrétien a oublié cela. C'est pourquoi l'enfer continue à recevoir autant à cause de ceux qui se sont détournés de celui qui sauve, mais se sont tournés vers ceux qui font la prédication, ceux qui les conduisent. Aujourd'hui, on ne cherche plus le salut. D'autres noms dans lesquels on ne cherche plus le salut, mais on cherche les bénédictions, on cherche les prophéties. La prophétie ne peut sauver. Ce n'est pas la prophétie qui sauve. Non! C'est Jésus qui sauve. Cherchez le Seigneur, vous qui êtes déjà dans l'assemblée, cherchez Jésus seul sauve. Ce n'est pas parce que tu as pris ton argent et que tu continues à se tenir ou tu donnes autant d'argent dans l'église que tu es sauvé, non bien-aimé. Il faut que tu vois d'abord ta vie qui est en train de marcher avec Christ. Est-ce que tu marches, tu t'es dépouillé de péché? Est-ce que tu t'es séparé de péché? Est-ce que tu sais séparer le péché? Papa, le Dieu dit, quand le trouve en vous, rien de l'épilation, tout est donné de l'ennemi de pouvoir vous accuser et qu'on l'empêchera de rentrer dans le ciel. C'est ça le principe. Le livre de Hébreux dit, je cherchais la paix et la sanctification
sans laquelle nul ne pourra pas voir Dieu. Donc la sanctification, bien aimé, c'est un élément très important qui participe au salut de ton âme, qui te garantit le salut sans la sainteté, bien aimé. Tu peux avoir cru à Jésus, mais si tu ne vis pas une vie conforme à la sainteté, au ciel tu ne pourras pas rentrer. C'est une vérité. Dieu dit pratiquer la vie comme le Seigneur le donne. Accrochez-vous à ses valeurs, à ses préceptes, à ses commandements. Marchez selon Dieu, ne marchez pas selon le trait de ce monde. Car le système de ce monde ont détourné le monde. Ils ne sont plus dans la vision de Dieu. Mais ils ont détourné pour aller dans la perdition. Et c'est à cause de ces choses que dans le livre d'Apocalypse, il y a tellement de choses que le Seigneur a déjà prévues. Bien aimé, pour réprimer toute cette désordre, tout ces désordres, c'est des ordres moraux. Le Seigneur dit, la femme ne portera pas les habits d'un homme. Et l'homme ne portera pas les habits d'un homme. Mais le système du monde, on fait en sorte que la loi de Dieu a été modifiée. On a dit plus à distinguer quel est l'homme et quelle est la femme. Parce que tous sont devenus semblables. Et les lois de Dieu ont été bafouées par l'homme. Parce que le diable a mis des systèmes de féminisme. Le paganisme qui est rentré dans le monde et qui a déstabilisé les lois que Dieu a données à l'homme pour qu'il marche selon elles. Il a dit dans la parole de Dieu que l'homme ne portera pas les habits de l'homme et la femme ne portera pas les habits de la femme. C'est-à-dire le pantalon, c'est un habit que Dieu a créé pour l'homme, pas pour la femme. La loi divine de Dieu sur la nature ou alors sur la distinction des sexes a été violée déjà à cause du système mondain. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui portes les habits des hommes, tu rendras compte à Dieu. Toi qui te distingues à l'homme, tu rendras compte à Dieu parce que Dieu te l'a interdit. Dieu te l'a interdit, bien aimé. C'est pourquoi faites attention, veillez à vos âmes. Dieu dit, rendra à chacun son salaire, il donnera à chacun son salaire. Suivant son œuvre, c'est-à-dire la vie que tu as vécue, est-ce que tu as marché selon les principes de Dieu? Ou tu t'es conduit en rébellion devant Dieu? Aujourd'hui, le monde, le système que le diable a mis en place, sont en train de lutter, de bafouer les lois de Dieu. Il y a une confusion totale parce que l'esprit du monde est rentré, il y a une confusion totale. Le Seigneur a dit que vous avez été fait à l'image de Dieu. Dieu t'a donné des cheveux. Dieu t'a donné des ongles. Dieu t'a donné la couleur de ta peau. Dieu t'a donné les cils qu'il t'a donné. Dieu a dit que tu ne pourras pas, tu ne porteras aucune incision sur le corps qu'il a créé, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, bien aimé, toi qui portes les mèches, qui portes les faux cheveux, qui portes les cheveux, soit-il brésilien, parce que ce sont les cheveux des hommes. Comment tu peux porter les cheveux qui sont là d'une autre créature, qui est une autre personne, et tu les portes à toi? Est-ce que tu connais les dangers spirituels qui sont dedans? Est-ce que tu connais les dangers spirituels qui sont derrière ta situation? Dieu t'a donné les hommes, mais tu les modifies. Ne sais-tu pas que Dieu t'a créé? Quand tu t'es créé, tu es né du ventre de ta mère, naturellement. Tu es né avec tes hommes. Dieu t'a donné les hommes, les cheveux. Tu as dit non, Dieu, tu es un menteur. Rien n'est beau à moi. Oh Dieu, après avoir créé l'homme, il a dit tout est bon. Mais toi, tu dis non, les cheveux que tu m'as donné, ce n'est pas bon. Dieu, tu es un menteur, tu es un mauvais créateur. Et tu vas prendre les choses que le diable a inspirées et tu les mets dans ta tête. La tête où se trouve la gloire de la femme. Et tu te retrouves avec les maris de nuit. Parce que tu n'as pas la connaissance spirituelle. Dieu t'enseigne, mais tu dis non, ce n'est pas ça. Et tu te lamentes parce que tu ne vas pas dans ta vie. Il y a autant de problèmes ici à gauche à droite. Et tu ne connais pas la source de tes problèmes, parce qu'elles sont spirituelles. Dieu
Dieu t'a donné les hommes, tu dis non, les hommes que Dieu m'a donné, ce n'est pas bon. Tu vas en fabriquer d'autres, donc tu es en train de créer l'homme. Dieu a dit, celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Où est l'image de Dieu? Pendant que tu prends des signes, tu vas prendre des signes que tu le mets, tu colles ça sur les oreilles. Où est l'image de Dieu? Même toi-même, la nature ne te corrige pas. La nature ne t'amène pas à te poser des questions. L'intelligence que Dieu t'a donnée, elle est plus connectée à la voix de Dieu. Lorsque tu perces tes oreilles, bien aimé, Dieu n'a dit tu ne porteras aucune incision. Quand toi ne porte pas une aucune incision, ça dit la lame ne touchera pas ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que lorsqu'on va te perforer les oreilles, le sang qui coule, c'est une alliance. Une alliance, parce que le sang, ce qui fait l'alliance, c'est le sang. Et quand tu vas te ciser les oreilles, le sang qui coule, ne sais-tu pas que tu as fait une alliance avec le diable de manière inconsciente? Ne le sais-tu pas? Le monde a pris la crainte de Dieu. Et le diable a fait de gagner sur la femme parce qu'il a misé tout son poids sur la femme. Combien de femmes rentrent dans le ciel? Combien? C'est un produit rare. À cause du péché, le make-up, la beauté, de toute nature, bien aimé, toutes ces choses, c'est du poison que le diable vous a donné. Et quand vous mourrez, vous vous trouvez dans des endroits où Dieu n'a pas prévu. À cause de la tétitesse, à cause de la rébellion devant Dieu. Il faut jeter ces choses. Il faut jeter ces choses de Jézabel qui viennent de la mer. Il faut les jeter, c'est la chose de la malédiction. Il faut les jeter, bien aimé. Toi, chrétien, qui te détourne de la parole de Dieu, qui te détourne des prescriptions de Dieu, qui te détourne des valeurs morales de Dieu, mais tu dis tu es Dieu. Mais alors qu'en ce moment, tu deviens idolâtre. Ne sais-tu pas que toutes ces choses que tu portes sont des dieux étrangers? Crois-tu que les prières que tu donnes, ça arrive à Dieu parce que tu es orné de dieux étrangers? Tout ce que tu portes sont des dieux étrangers. Toutes ces choses sont des dieux étrangers et les sources sont des sources sataniques. Des instruments de Jézabel. L'enfer accueille autant de monde en ce moment à cause de ce que le monde est en train de se perdre et s'est vendu dans les péchés. À cause de ceux qui se sont détournés des voies de Dieu, qui se sont détournés des valeurs que Dieu les a enseignées depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'il va à l'église, il va appeler maman pasteur. Et tu te mets sur le peuple de Dieu. Tu te mets à le peuple pour enseigner. C'est le moment de chercher. Sois béni mon frère. Il est l'avion pour le ciel. Qui va au ciel? Qui va au ciel? Il est l'avion pour le ciel. Oubliez l'avion pour le ciel, mon frère. Jésus t'aime. Bien amour ne commencera comme jamais on ne t'a aimé. Il est l'avion pour le ciel, par le ciel. C'est le moment de faire la paix avec son Dieu. C'est le moment de faire la paix avec Jésus. Le billet d'avion pour le ciel. Le billet d'avion pour le ciel. Il faut se repentir de ses péchés. Le billet d'avion pour le ciel. Il y a un avion pour le ciel. Demain peut être trop tard. Jésus t'aime. Jésus vous aime, mon frère. Il y a un avion pour le ciel. C'est le moment d'aller au ciel. Il y a un avion pour le ciel. Jésus revient. Le billet d'avion pour le ciel. Le
Le billet d'avion pour le ciel. Jésus vous aime. C'est même peut-être trop tard. C'est le moment de faire la paix avec Jésus. Le billet d'avion pour le ciel. Un péché grave, mon frère. C'est un péché trop grave. C'est un péché trop grave. C'est le moment de fuir. Marie-toi. Marie-toi, mon frère. Non, marie-toi. 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 Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, je t'appelle. Il t'appelle à te repentir. Il t'appelle à te repentir. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que par toi, la vie que tu mènes, la vie de vol, la vie de tricherie, la vie d'adultère, la vie de fornication, tu recevras un salaire. Le jour où tu vas mourir, Dieu te donnera un salaire à cause de ta vie de vol. Dieu te donnera un salaire. Et c'est pourquoi il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Tu as bien fait aujourd'hui à te repentir. Parce qu'un jour, que tu le veux ou pas, tu mourras. Tu as fait la mourir. Et pose-toi la question, lorsque la mort viendra, où passeras-tu ton éternité? Où iras-tu? Où la mort va-t-il t'apporter, t'emmener? Et pourquoi, mon frère bien-aimé, il est temps de se repentir. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps d'abandonner l'iniquité. Il est temps d'abandonner, de fuir le péché. Tu es la distraction de ce monde. Tu es le monde. Le monde est le mensonger. Celui qui aime le plaisir de ce monde n'aime pas Dieu. Je te dis cette vérité. C'est pourquoi Jésus aujourd'hui t'appelle à te convertir, à te rappeler avec lui. Ah, je vous fume. Ah, je vous fume. Chaque dimanche, et tu continues à mener une vie de péché, dis-moi, que vas-tu faire à l'église? Vas-tu accompagner les autres pour aller au ciel? Toi qui vas à l'église, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, mais souvent tu t'exclames, oh Jésus, oh mon Dieu. Mais la Bible déclare, j'aimerais te dire ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique, qui peut entrer au ciel. Il n'y a que celui-là seul qui peut entrer au ciel. Alors examine ta vie. Chaque dimanche, tu vas à l'église. Chaque dimanche, tu chantes à la chorale. Tu dis que tu es femme de pasteur. Tu dis que tu es femme de prophète. Tu dis que tu es femme d'apôtre. Mais regarde les actes que tu poses. Regarde les actes que tu poses. Regarde la vie que tu mènes, une vie de jalousie. Tu peux souvent jalouser ta soeur parce qu'elle vend plus que toi. Tu peux parfois jalouser ta soeur parce qu'elle a plus de bien que toi. Hypocrite,
J'aimerais te dire une vérité. Si la mort te trouvait dans cet état de vie-là, où est-ce que tu vas partir? Pourquoi je viens parler à ton cœur aujourd'hui? Que ton cœur, que tu examines ton cœur, que tu te poses la question, à savoir si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu partir? Où vas-tu partir? Certainement le week-end dernier, tu as vu un corbillard qui est passé. Il y a un corps qu'on allait enterrer. Mais j'aimerais te dire, derrière ce corps qui passait, il y a toujours un message que Dieu véhicule. Il y a toujours un message qui est un message d'interpellation où Dieu vient parler dans nos consciences, où Dieu vient parler dans nos cœurs. À savoir, pose-toi la question, lorsque la mort viendra te prendre, comme celui qui s'en va là, dans quel état seras-tu? Dans quel état seras-tu lorsque la mort viendra? C'est pourquoi Jésus-Christ appelle à te repentir. Jésus-Christ t'appelle à abandonner le mal, à abandonner les idoles, à abandonner les faux dieux. Oui, Jésus t'appelle aujourd'hui à sortir de ces choses-là, à sortir du jézabélisme, à sortir, oui, du maquillage, à sortir des faux cheveux, à sortir des faux ongles, des faux cils. Oui, c'est une forme d'idolâtrie, c'est des dieux auxquels les femmes ne peuvent plus s'en passer. Dieu t'a créé naturellement. Donc tu veux dire que Dieu a fait l'erreur de t'avoir donné des cheveux? Il a fait l'erreur lorsque toi tu vas prendre des faux cheveux pour poser sur ta tête. Dieu t'appelle mensonge. Pourquoi? Parce qu'on appelle cela les faux cheveux. Donc c'est un mensonge que tu prends pour poser sur ta tête. Et si tu meurs, je te dis en vérité, peut-être ton pasteur ne sera pas dit. Peut-être que l'église ne te prêche pas ces choses. Mais je te dis en vérité, parce que la Bible dit ça, aucun menteur pense au ciel. Mais lorsque tu portes ces choses, lorsque tu portes ces choses, je te dis en vérité, lorsque tu portes ces choses, tu es en train de glorifier. Lorsque tu portes ces choses, je te dis en vérité, reprends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je te dis en vérité, beaucoup ne le savent pas, et les faux cheveux, les choses-là viennent de la mer, les choses-là viennent de la mer. Jézabel, parce que selon la Bible, on peut savoir que la première femme qui portait les cils pour séduire, c'était qui? Jézabel, une meurtrière, une prostituée. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ces faux cheveux ont existé, ont toujours été là. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, l'ennemi ramène encore ces choses. Comme le monde appelle la mode. La mode égale au monde. Mais Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Ma bien-aimée, mon frère, toi qui portes ces choses-là, toi qui portes ces choses-là, je te dis, ne permets pas que la mort te trouve dans ça. Ne permets pas que la mort te trouve dans ces choses. Ne permets pas, n'accepte pas de quitter le monde. Étant dans ces choses-là, je te dis, reprends-toi, abandonne ces choses. Dieu dit que la une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, mais toi tu portes des pantalons. Dis-moi un peu, lorsqu'on a créé le pantalon, il y a une fermeture au milieu. Cette fermeture-là, c'est pour quoi? C'est pour l'homme, lorsque l'homme veut se soulager. Mais toi, femme, peux-tu te soulager? Peux-tu te soulager? Tu es obligé de tout enlever et ta nudité est dehors. Tu es obligé de tout enlever et ta nudité est dehors. Pourquoi? Parce que tu es dans la rébellion contre Dieu. Montre-moi dans quel marché. Si on a créé des pantalons pour femmes, j'aimerais aussi que tu me conduis dans un marché où on a créé des jupes pour hommes. C'est où? Ça n'existe pas. C'est donc toutes ces choses. Donc aujourd'hui, Jésus appelle les hommes à se repentir. Appelle les hommes à se repentir de ces choses-là. Parce qu'un jour, que tu le veux ou non, la mort viendra. La mort arrive. La mort arrive. La mort arrive. Tu es parti au décès des autres. La mort arrive. La mort te prendra. Mais ne permets pas que la mort vienne te prendre. Maintenant, une vie de péché, avec des idoles sur toi. Lorsque tu es venu au monde, est-ce que tu portais toutes ces choses? Lorsqu'un enfant vient au monde, l'enfant est naturel, tel que Dieu l'a créé. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous demeurions.
toi qui décapes ta peau, mais que le Dieu en vérité, reprends-toi de ces choses-là, parce que tu changes la couleur de ta peau. Mais la Bible déclare, dans le livre de Jérémie, un Éthiopien, peux-tu changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un noir, un Africain, peut-il changer la couleur de sa peau? Si on a créé des juifs pour changer la couleur de nos peaux, pourquoi les blancs n'ont pas aussi créé lui pour changer la couleur de leur peau? Pourquoi c'est des fioles? Et Dieu nous demandera des grands, le jour la mort te prendra. Parce que la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après toi vient le jugement. À cause de cette vie-là, ces choses auxquelles tu as attaché, avant de sortir, si tu ne te maquilles pas, tu n'es pas tranquille. Tu as tellement changé l'image naturelle de Dieu en une image, oui, corrompue. C'est pourquoi repentez-vous, avant qu'il ne soit pesant. Repentez-vous, abandonnez ces choses, les faux cheveux, les mèches, abandonnez. Je vous le dis, les pantalons, abandonnez ces choses. Il est temps de se soumettre à la parole de Dieu. C'est dans les années 1960 que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Mais beaucoup ne connaissent pas cette histoire. En toute chose, il y a toujours un commencement. C'est pourquoi Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Toi qui fais du commerce et tu vas visiter les marabouts, mieux vend, il est temps pour toi d'abandonner ces choses. Parce que la fin de ces choses est la mer. Toi qui visites les marabouts, toi qui fais des potions pour vendre, pour mieux vendre, pour avoir tous les clients, je te dis en vérité, repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi, femme, maman, toi qui te dénues devant tes enfants, Dieu te demandera des comptes. Parce que selon le livre de Lévitique, un enfant ne doit pas décrire la nudité de ses parents. Mais à chaque fois que tu te mets nu devant tes enfants, tu es en train de leur maudire sans que tu ne le saches. Tu dois cacher ta nudité. Tu dois cacher ta nudité. Tes enfants ne doivent pas découvrir ta nudité. De nos jours, en 7 ans, on verra des femmes. Elles vont même jusqu'à la boutique, tout simplement avec un paille. Et celles sont dehors. Mais tu rendras compte à Dieu. Raisonnement. Un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que le bien dernier. C'est pourquoi tu dois te repentir. C'est pourquoi tu dois te repentir. Tes enfants voient ta nudité, je te le dis en vérité, tu rendras compte à Dieu. Parce que Dieu a dit, un parent ne doit pas se mettre nu devant ses enfants. De nos jours, c'est ce qui arrive. On voit des mamans même, elles vont à la boutique avec tout simplement une paille. Les siens sont dehors. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Je te le dis en vérité. Toi qui te mets toujours nu devant tes enfants, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu passes ton temps maudit tes enfants. À chaque fois que tu te mets nu, tu maudis tes enfants. Tu ne le sais pas. La Bible déclare dans le livre de Lévitique qu'un enfant ne doit pas découvrir la nudité de ses parents. Et c'est pourquoi il faut se repentir. Mais si tu te dis chrétien, si tu te dis chrétien, tu vas le dire exactement. Mais c'est pas quelque chose qui te dit. Regarde ce que. Et lorsque la vie de tes enfants, tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants, tu ne vois pas les actes que tu poses. C'est pourquoi il faut se repentir. Les temps sont finis. Fuyez le péché. Fuyez la mort. Parce que l'homme aime la mort. Fuyez la mort. Le péché, c'est la mort.
Le péché entraîne à la mort. Fuyez la mort. Fuyez le péché. Fuyez la démon. Là qui vit dans la fornication, fuyez la fornication. Là qui vit dans la masturbation, fuyez la masturbation. Toi qui vis dans la débauche, fuis la débauche. Parce que si la mort te trouve dans cette vie, c'est l'enfer, je te le dis en vérité. Et c'est pourquoi Dieu t'accorde la grâce aujourd'hui. Toi qui écoutes, toi qui m'entends, n'endurcis pas ton cœur et reprends-toi. Il y a de l'espoir pour nous les vivants. Mais lorsque la mort vient, on ne peut plus se repentir. Lorsque la mort vient, on ne peut plus changer de vie. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que lorsque la mort viendra te chercher, lorsque la mort frappera ta porte et te trouvera dans cette vie-là, dans cette vie de débauche, lorsque la mort frappera ta porte et te trouvera dans cette vie de maquillage, des idoles, des faux cheveux, des faux ongles, des fossiles. De toi qui marches, qui vis dans la rébellion contre Dieu, je te le dis en vérité, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se repentir parce que les temps sont finis. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Retenez à Jésus, le bon tour à ta terre. Le monde court à sa fin, sortez de la distraction, cherchez Jésus, c'est lui qui a payé à la croix, c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Saisis cette grâce avant qu'il ne soit trop tard. Homme, ne te crois pas invincible, malgré tes biens, malgré ta beauté, malgré ta richesse, sache qu'un jour tu vas laisser toutes ces choses lorsque la mort viendra. Lorsque la mort viendra, tes richesses ne pourront te sauver, ton taxi ne pourra te sauver, ta beauté ne pourra te sauver. Un seul peut te sauver, c'est Jésus. Face à la mort, Allah ne pourra te sauver. Face à la mort, Bouddha ne pourra te sauver. Il y a un seul, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton morceau de bois que tu idolâtres ne pourra te sauver. Ton mari que tu idolâtres ne pourra te sauver. Tes enfants que tu as plus que Dieu ne pourront te sauver. Même le sexe que tu as plus que Dieu ne pourra te sauver. Il n'y a qu'un seul nom, un seul. Qui a versé son sang à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il t'appelle à te convertir. Il t'appelle à abandonner le mal. Peut-être ton rendez-vous c'est aujourd'hui. Peut-être la mort a rendez-vous avec toi pour aujourd'hui. Mais si la mort arrivait, si la mort arrivait, je te trouvais dans cet état de passeras-tu ton éternité? Où iras-tu si tu mourras? Où iras-tu si tu mourras ce soir? Il est temps de se convertir. Il est temps de chercher Jésus. Parce que le monde tire à sa fin. Le monde court à sa fin. Les prophéties bibliques s'accomplissent. Sous nos yeux, nous voyons des guerres, des bruits de guerre, des tremblements. Oui, nous voyons des famines dans des pays. Tout ça, ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus. Et c'est pourquoi, toi, femme, il est temps pour toi de te repentir. Toi, homme, il est temps pour toi de te repentir.
est temps pour toi de te repentir. Toi, jeune homme, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi, femme, je viens t'avertir. Tu déclares qu'une femme doit s'habiller avec décence, avec modestie, avec pudeur. Tu n'as pas le droit de mettre tes seins dehors. Tu n'as pas le droit de mettre tes cuisses dehors. Parce que tu ne sais pas avec combien d'hommes tu couches par jour. Car il est écrit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mais à chaque fois que tu t'habilles en sexy, tu sais combien d'hommes te regardent, tu sais combien d'hommes te convoitent. Et Dieu note que tu as couché avec tous ces hommes. Et c'est pourquoi il voudrait que toi, femme, tu t'habilles avec pudeur, avec modestie, avec décence. Le monde court à sa paix. Les hommes vivent comme ils veulent. Ils s'en foutent de leur créateur. Mais un seul jour arrive, où la mort te frappera, où la mort viendra te chercher. Un jour arrive, ce moment arrive. Si un parti, si tu connais quelqu'un qui est parti, qui a eu son rendez-vous, il est parti, toi aussi ton rendez-vous arrive et tu vas rendre compte à Dieu. Pour la vie que tu as menée ici-bas, tu vas rendre compte à Dieu. Ne sais-tu pas que tu as été créé pour adorer ton Créateur? Ne sais-tu pas que tu as été créé pour servir Jésus-Christ? Tu n'as pas été créé pour faire de ton corps ce que tu veux. Tu n'as pas été créé pour faire de ta vie ce que tu veux. Mais un jour, tu devras rendre compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Je te le dis en vérité. Ta vie cachetée là, ta vie, les choses que tu fais dans le secret, Dieu va le dévoiler au dernier jour. Et on saura qui tu étais. Toi qui voles au bureau, toi qui détournes les portes, Dieu t'appellera en jugement. Je te le dis en vérité. Toi qui détiens les films pornographiques dans ton téléphone, efface-les. Parce que ces choses t'entraînent en enfer. Je te le dis en vérité, les temps sont finis. Repentez-vous, population de la vie, population de la terre, population de Libreville. Repentez-vous avant que la mort ne vienne, avant que la mort n'arrive. Parce que les temps sont finis. Cherche à Jésus, c'est Jésus le Sauveur. C'est Jésus le Sauveur. Repentez-vous. 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 Avant qu'il ne soit trop tard, fuyez le mal, fuyez le mal, fuyez la délinquance, fuyez le mal. Il est temps de fuyez le mal. Le plus gros, c'est de marcher comme Dieu veut que tu marches dans la vie de sainteté. Le plus gros, c'est que le Seigneur veut que tu te sépares du péché. Il veut que tu te sépares du péché. La repentance, c'est bon. Mais le plus gros, c'est de te séparer du péché, de te séparer du monde. Le Seigneur veut que tu marches dans la sainteté parfaite. Le Seigneur veut que tu adores un seul Dieu dont il est le Créateur.
Le Seigneur dit, ne multiplie pas l'adoration dans son adoration, parce qu'il est un Dieu jaloux. Le Seigneur Dieu dit, il est le Dieu de l'éternité, il est le souverain des cieux de la terre. Et il ne partage pas sa gloire avec d'autres dieux. C'est pourquoi si tu aimes Dieu, il faut que tu te dépouilles des ornements de Jézabel. Parce que lorsque tu viens devant Dieu pour prier Dieu, Dieu voit seulement une idolâtre. C'est pourquoi tu dois te dépouiller de ces choses, de faux cheveux. Tu dois te dépouiller de faux cheveux, tu dois abandonner les fossiles. Tu dois t'abandonner, te séparer des rouges à lèvres, te séparer de vernis, te séparer de faux hommes, te séparer de tout ce qui fait de toi une créature qui est devenue artificielle. Dieu veut que tu reviennes à la nature qu'il avait créée au jardin d'Éden. Dieu veut que tu aies seulement les choses qu'il t'a données dans ton corps, n'ajoute plus rien. Parce que Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui va modifier sa création, il rendra compte à Dieu. Celui qui vient ajouter des choses idolâtriques qui font de lui idolâtre, il rendra compte à Dieu. Celui qui porte des faux dieux dans son corps, les faux cheveux sont des faux dieux. C'est une idolâtrie. Les boucles d'oreilles sont des faux dieux, bien-aimés. C'est une idolâtrie. Les faux hommes sont des faux dieux. Mais regarde tout ce que tu portes et tu viens prier Dieu. Dieu n'a pas reconnaissance pour nos jours parce que tu n'as plus l'image de Dieu. Tu ressembles à une idole parce que tu as tout modifié de Dieu. Dieu ne reçoit même pas tes prières parce qu'il a horreur. Il dit le péché est une abomination devant Dieu. Le péché est une abomination. C'est pourquoi Dieu tellement, il t'aime. Il dit qu'il veut encore avoir l'amour qu'il a de toi. C'est lorsque tu vas décider de dépouiller, d'abandonner tout cet homme. C'est ainsi que tu vas encore rentrer dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Mais pendant que tu pèses, Dieu a horreur du péché. C'est une abomination. Et il dit l'homme qui pèse mourra. Il dit l'homme qui pèse mourra. Parce que le péché amène à la mort. Le péché est une rébellion devant Dieu. Le péché est un mal devant Dieu, que Dieu ne peut même pas supporter. Donc voilà la créature, commencer à marcher dans un désordre moral qui fait de lui un esprit animal. Dieu a horreur, il ne peut même pas regarder parce qu'il ne peut pas, il ne reconnaît pas son image. Il tourne le visage, il dit non, c'est affreux. Bien-aimé, à cause de ces choses, tu rendras compte à Dieu. Dieu ne veut pas que tu te perdes à la condamnation. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour que l'homme rentre là-bas. Dieu avait créé l'enfer pour Satan. Mais à cause de ce que tu suis maintenant, les pensées de Satan, tu deviens un rebelle devant Dieu. Et Dieu te place au même titre que ton père, qui est le rebelle. Parce que tu as modifié la nature que Dieu a mis en toi, la créature que Dieu a créée. Tes pensées sont maintenant des pensées du mal. Les pensées pour tuer les autres, les pensées pour détruire les autres, les pensées de la jalousie. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, Dieu dit comment d'abord aimer celui qui est avec toi sur la terre. Si tu ne peux pas aimer Dieu, je dis même pas d'abord celui qui est avec toi sur la terre. Moi, des petites choses, c'est fini, tu as déjà l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de rancune. Tu dis, comment tu peux aimer Dieu? Tu n'as pas encore l'idée à aimer ton prochain, celui qui est avec toi sur la terre. Comment peux-tu aimer Dieu? Dieu est amour, il aime sa créature. Mais toi, tu détestes ton frère. Comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas d'abord celui qui est à côté de toi? Celui qui est derrière le mal et la méchanceté de Satan. C'est-à-dire que si tu fais le mal, tu es fils de Satan. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Mais si tu produis les mêmes choses que Satan produit, parce qu'il est venu la terre pour détruire l'homme. Parce qu'il a la jalousie de ce que Dieu a créé. Tu dois détruire l'homme. Mais si tu n'aimes pas ton frère, quel est l'amour que tu peux présenter au frère de Dieu? Ne vois-tu pas que toi-même tu es menteur? Quand tu dis Dieu, je t'aime, et tu détiens ton père, tu n'es pas menteur là. C'est pour ça que tu reviens dans la vraie doctrine. Reviens dans l'amour de Dieu. Reviens dans la véritable adoration. C'est pourquoi tu n'adores pas n'importe quoi. N'adore pas n'importe quoi. Dieu ne peut pas créer ta créature et la détruire, non. Si toi tu deviens destructeur, c'est que toi, tu es aussi au même titre que Satan qui détruit les hommes. Reviens dans la vraie adoration de Dieu. Sors
Découvrez les...